Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais réaliser une page mix média. Pour cela, je vais utiliser une feuille de ce bloc Canson mix média. Je vais utiliser aussi des pots de peinture de la marque Dillusion Paint, de la marque Ranger. Ce sont des pots de peinture acrylique de très très bonne qualité, très vif, très consistant. Le seul problème, c'est que c'est une marque américaine. Moi, j'ai fait l'expérience de les commander sur leur site et j'ai eu des problèmes au niveau de la douane, c'est-à-dire que j'ai dû payer très très cher les frais de port. Donc, je vous déconseille de les commander sur un site américain, mais essayez de les commander peut-être sur Amazon. De toute façon, le lien de tout le matériel que je vais utiliser pour cette page, je vais le mettre dans l'article qui va suivre cette vidéo ou alors en dessous de cette vidéo si vous la regardez sur YouTube. Alors, je prépare mon fond avec une première couche de gesso de la marque Liquitex. Ensuite, je vais préparer ma couleur. Je vais utiliser des petites éponges de maquillage et je vais utiliser aussi de la peinture acrylique blanche. Je vais mélanger cette couleur et je vais utiliser des pochoirs sous forme d'arabesque. Alors, comme vous voyez, on peut utiliser le système D, c'est-à-dire utiliser des petites éponges de maquillage comme tampons pour tamponner de la peinture sur nos pochoirs. Donc, dans un premier temps, j'utilise une couleur un peu claire. Et puis ensuite, j'utilise le même pochoir vers le bas de ma page. Et cette fois-ci, je vais accentuer la couleur. Alors là, j'ai voulu faire l'effet du négatif, c'est-à-dire que j'ai retourné mon pochoir en pensant qu'il y avait suffisamment de peinture sur la face du pochoir et j'ai essayé de l'étaler sur ma feuille, mais apparemment il n'y en avait pas assez. Donc j'ai encore étalé de la peinture sur ce pochoir et j'ai refait l'opération. Et vous allez voir que le résultat ne sera pas très satisfaisant et je vais camoufler tout ça avec ma petite éponge que je vais tamponner par-dessus avec un mélange de couleurs. Alors là, je tamponne par-dessus cette peinture que je viens d'étaler et vous voyez bien que l'orientation de ma façon de tamponner est un peu différente, c'est-à-dire que je retourne un petit peu la base de ma petite éponge pour avoir un effet de matière et pour avoir une sorte de, je ne sais pas comment dire ça, mais en tout cas des motifs un petit peu assez dynamiques. Alors, pour revenir à ces pots de peinture d'illusion de la marque Ranger, c'est une peinture de très bonne qualité qui sèche très très vite par contre. Donc, quand on travaille avec, généralement, comme ce sont des pots qui sont petits et larges, des fois on oublie de remettre le couvercle rapidement et le problème c'est que ça crée un film sur la surface et ça risque de gâcher la peinture. Donc il faut vraiment vite remettre le couvercle et aussi prendre un peu d'eau et asperger par-dessus pour éviter ce genre de problème. Alors voilà, je vous montre le sachet des éponges que j'utilise pour ce projet et ça vient de chez Primark. Alors, je fais de nouveau la même opération que tout à l'heure. Je pose mon pochoir et cette fois-ci, j'utilise une couleur beaucoup plus claire et beaucoup plus vive
Le jaune, et je l'alterne avec du blanc, c'est-à-dire pour avoir des zones un peu plus claires, pour créer avec les effets du contraste et de la luminosité. Je replace mon pochoir de nouveau vers un autre endroit. Je superpose délicatement un petit peu en décalage sur les deux autres motifs arabesques, et je tamponne de nouveau sur ce côté-ci, mais cette fois-ci en gardant la main un peu plus légère. Je n'accentue pas beaucoup, donc je laisse un effet de transparence. Alors, toujours dans le but de créer du contraste, cette fois-ci je vais le créer avec le contraste des formes. Je ne vais pas utiliser le motif arabesque, mais par contre des petites étoiles, et ça va me créer une diversité au niveau des formes. Alors j'aurai deux motifs différents, arabesque et étoile, et deux couleurs différentes, c'est-à-dire le jaune et le rose, bien sûr avec des dérivés plus clairs ou plus foncés. Alors, bien que cette peinture d'illusion peinte de la marque Ranger est de la peinture acrylique, donc elle ne va pas réagir au contact de l'eau, j'aimerais quand même renforcer, j'ai décidé de renforcer ce côté imperméable avec ce liquide, le gel médium de la marque Liquitex. Alors maintenant, je vais utiliser ces masking tape, ces rubans adhésifs, que je vais coller un petit peu d'une manière inclinée pour créer une composition dynamique à ma page et pour ramener une richesse au niveau de la matière. Non seulement il y aura de la peinture, il y aura aussi du papier, du collage de papier, donc au plus vous allez ajouter des éléments, au plus votre page mix média sera intéressante. Alors pour revenir à ces masking tape, à ces rubans adhésifs, moi je pense que je les ai achetés de chez Action ou alors chez Emma, donc vous les trouverez pas cher du tout chez Action, à moins d'1 euro. Donc vous avez aussi de différentes largeurs et de différentes matières. Alors maintenant, je vais prendre quelques papillons de ce paquet à stickers que j'ai acheté à 1 euro chez Teddy, le magasin Teddy qui se trouve en Espagne quand j'étais en vacances. Et je vais prendre ce papillon, je vais le coller sur mon arabesque vers le bas de ma page, et je vais prendre un deuxième papillon que je vais utiliser aussi, que je vais coller, pardon, un petit peu vers le bas de cette arabesque. Alors, pour amener un peu plus de richesse au niveau technique, je vais utiliser mon crayon Inktense, Derwent Inktense, rouge. Je vais tracer quelques lignes un petit peu obliques et quelques lignes verticales. Je vais accentuer certaines lignes pour amener un peu de contraste. Ensuite, je vais prendre de la peinture blanche, mon gesso blanc, que je vais passer par-dessus ces lignes, pardon, et ça va faire réagir le côté le pigment du crayon, parce que c'est un crayon quand même qui est soluble dans l'eau, la matière est soluble dans l'eau, il est aquarellable, mais en même temps ça va le fixer et ça va aussi créer un effet de transparence et un effet un peu vaporeux.
Donc, je disais, cette technique va me permettre de relâcher le pigment du crayon Derwent Ink Pense. Donc, ça va le faire réagir grâce à l'eau que j'ai utilisée pour mélanger le gesso. Donc, je vais avoir des roses, une couleur rose comme ça, un peu floue, un peu vaporeuse. Et en même temps, ça va me permettre aussi d'avoir un effet de transparence. Donc, on va quand même ressentir la couleur du fond qui va transparaître un petit peu quelque part dans certains endroits. Et je vais utiliser cette technique pour créer cet effet de nuageux comme ça, que je vais un petit peu essayer de brouiller dans le fond, et je vais ensuite accentuer certaines zones avec du blanc, le gesso, toujours avec le gesso, donc entre les lignes pour créer un peu de contraste. Et vous allez voir, après je vais utiliser la même technique pour un petit peu donner de la luminosité à ma page. Je vais utiliser ça vers le haut de ma page. Comme vous voyez, la manière avec laquelle je peins est comme si je tamponnais en fait. Je prends de la peinture, je l'étale un petit peu partout en faisant des mouvements légèrement rotatifs. Je fais un petit peu exactement la même technique que j'avais fait tout au début avec ma petite éponge. Vous vous rappelez, quand j'ai préparé le fond, je faisais tourner l'éponge, la base de l'éponge vers la gauche, la droite et vers la gauche, pour avoir cet effet un petit peu vaporeux. Et donc ça crée non seulement des superpositions de couches, et donc ça donne un peu ce côté brouillé, un peu nuageux. Donc ça crée des zones un peu plus contrastées, c'est-à-dire il y a des zones où il y aura beaucoup plus de blanc et des zones où il y aura un peu moins de blanc, parce que voilà, tout simplement le pinceau était déchargé de peinture, et donc on aura comme ça des contrastes des contrastes de blanc. Et là j'ai pris un feutre brun. On aurait pu prendre une autre couleur, mais bon, pour l'instant j'ai préféré mettre un peu d'ocre comme ça, comme contour, pour donner un peu de luminosité à cette ombre portée. Alors je vais diluer tout ça avec un peu d'eau, et puis au fur et à mesure je vais ajouter de la couleur pour créer une ombre portée mais colorée. Donc je vais utiliser un bleu foncé, ou alors un bleu qui tend vers le violet, et je vais faire le contour de mes papillons. Donc d'abord je vais commencer par celui d'en bas, et puis je vais faire aussi celui d'en haut, et au fur et à mesure je vais créer des contours comme ça un peu plus contrastés. Là maintenant j'ai commencé avec le bleu que j'ai mélangé aussi avec du bleu ciel pour adoucir la continuité de cette couleur, et non pas pour laisser un bleu foncé qui s'étend jusque vers la base de ma feuille. Donc j'ai préféré créer une sorte de dégradé, une ombre portée qui va en dégradé comme ça, une ombre portée colorée, et au fur et à mesure je vais ajouter de la couleur.
Alors, le fait d'ajouter ce bleu en alternance avec le bleu ciel va me créer une suggestion d'ombre portée, mais en même temps, ça va aussi accentuer le côté léger du papillon. Ça va créer un effet de mouvement. Donc, ça va créer des effets un petit peu intéressants que je vais accentuer au fur et à mesure avec le contour de la silhouette du papillon. Je vais ajouter d'autres éléments au fur et à mesure, vous allez voir. Et je vais faire la même chose pour le papillon d'au-dessus. Alors voilà, maintenant une fois que j'ai ajouté des couleurs un peu froides comme le bleu ciel, etc. Je vais maintenant travailler les détails et comme je vous ai dit, je vais faire le contour des papillons avec différentes pointes, différentes mines et avec différents feutres et différentes couleurs aussi. Donc je vais accentuer le côté violet et puis je vais ajouter au fur et à mesure des strass, etc., des embellissements. Donc pour le moment, je vais fluidifier, je vais étaler la couleur du feutre pour la rendre un peu plus diffuse sur le fond. Et puis après, je vais ajouter des petites perles, etc., pour un petit peu ramener d'autres matières à cette page mix média, enrichir cette page au niveau technique et au niveau aussi de la couleur et de la matière.
Alors, toujours pour le côté finition, je vais ajouter quelques traits avec les gel pen United Office de chez Lidl que j'ai acheté l'année dernière. Donc, je vais tracer quelques traits discontinus. Si vous n'avez pas de la glitter glue, vous pouvez les utiliser ces gel pen pour faire le contour de vos papillons ou d'un autre insecte, si vous avez choisi un autre insecte. Donc voilà, à vous de voir comment vous allez utiliser ces gel pen. Mais en tout cas, comme je vous l'ai dit et je vous le redis, au plus vous allez varier les outils, au plus votre page sera artistiquement très élaborée et très intéressante. Voilà ce qu'il en est concernant cette petite peinture, cette page mix média. J'espère que tout le déroulement de cette réalisation vous a plu et que surtout qu'elle vous a inspiré, que cette page vous a inspiré et vous a donné envie de vous y mettre vous aussi, de réaliser de vos propres mains de jolies pages mix média, des collages. Si vous n'avez pas de papillon, vous pouvez utiliser d'autres insectes ou alors des animaux comme des oiseaux, etc. Utilisez différentes matières, différentes techniques, variez les techniques, c'est-à-dire utiliser de la peinture mixée avec du crayon de couleur, du feutre, etc. Essayez d'utiliser le matériel que vous avez, pas forcément en acheter d'autres. Donc voilà, je vous ai donné une idée de comment faire une page mix média variée avec différents outils, différentes matières, etc. Donc si la vidéo vous a plu, mettez-moi un pouce bleu, un pouce haut et je vous en remercie vivement d'avance pour vos j'aime, pour vos commentaires très chaleureux et pour vos encouragements. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour soutenir ma chaîne et pour la faire connaître sur votre page Facebook si vous en avez, Instagram ou sur un groupe Facebook. Abonnez-vous à ma chaîne si ça n'a pas encore été fait. Surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être prévenu de mes prochaines publications. Si vous êtes intéressé par le coloriage ou par le dessin, je vous invite à télécharger mon kit gratuit. Le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. Ça va vous permettre d'avoir une formation de dessin ou de coloriage gratuite et deux e-books avec des conseils sur le bon matériel de dessin, plus des tutos en exclusivité rien que pour mes contacts, les contacts de mon blog. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos. Merci.